parle justement de tout ce qui est camerounais, tout ce qui est urbain camerounais à travers le net. Hi Valerie, how are you? Hello Tony and hello to the entire crew of Blade City. Il a dit bonjour, il ne comprend pas anglais. Ah, elle avait compris. Non, non, il y a anglais, il y a non. As I said, the Brexit, you know. No, there's no problem. All of them speaking English, English very, very well. Ok, aujourd'hui tu es venu avec toute ton équipe, on s'est vu en semaine, on s'est donné rendez-vous sur Suite FM justement pour dire aux Camerounais que c'est vrai qu'il y a des sites qui parlent de la culture urbaine camerounaise, mais le tien il est particulier parce qu'il va au très fond des quartiers, des studios, des événements, des artistes avec des interviews. Tu sors même de signer un contrat avec un hôtel de la place pour permettre à ce que tu fasses des interviews calées pépère à Douala. Dis-moi un peu pourquoi tu crées Khmer Connection. You know, Douala is a little, it's French. Let me just try and so people out there really understand. Okay, l'histoire de Khmer Connection a commencé avec une idée qu'on a eue pour dire. On voit ce qui se passe partout avec l'état des autres pays et malheureusement ici au Cameroun on n'a pas vraiment des sites qui sont là pour suivre vraiment nos stars. Donc on a dit Khmer Connection serait quelque chose de bon pour ça, suivre nos stars et bien faire que nos stars soient be real stars, you know. So we're thinking about Khmer Connection saying, okay, we want people to know exactly what's happening in Cameroon with our local artists and what's going on with them. So Khmer Connection is all about 100% Cameroonian artists, culture, fashion, and everything that has to do with urban hype. Yeah. So what we do in Khmer Connection and what makes us a little bit different from other sites, we don't do what we call copy and paste because we actually create content. We follow up the stars, we make sure we get what's happening to them, their news, daily activities, and we put them online. And on the website itself, it's a weekly updated website. It's been updated every week with information from stars. We give them calls. They tell us what they'll be doing maybe the week and all of that. So we make it a little bit of a buzz for people to follow and love their stars. Voilà. Qu'est-ce que ça te rappelle? Ça te rappelle Made in Boa? Ça te rappelle tous ces projets qui sont mis sur pied, Sunshine? Ouais, en ce qui concerne le mouvement urbain camerounais, ça veut dire que la révolution est en place comme on l'a prévu en début d'année? Oui, mais avec le festival des marchés de la musique urbaine, on avait signé le spot en disant que la révolution est en marche. Je crois que c'est pas aujourd'hui qu'on dira le contraire. Mais moi, j'avais une autre question par rapport à mon frère là. Elle est un peu banale, mais c'est certainement plein de sens. Dis-moi, any relationship between this your Khmer Connection and the Khmer Connection, the compilation we know we have had it a long time ago avec Crotal and so others. No, no. Khmer Connection is just a different concept and a concept very much in the media line. Donc, so I think it's not in any relation with the www.khmercom.com. And also, Tony, I think our khmercollection.com. Pardon. Yeah, Khmer as in K, voilà. Connection K aussi. Khmer, so, comme on n'est pas la télé. C'est vrai, vous allez voir des images très bientôt sur Mboa. C'est Khmer avec K, oui. Connection avec K. Oui. Voilà, K A M E R K O. Voilà, K A K. Comme je disais, K-A-M-E-R, K-O-O-O-2-N-E-C-I-O-N.com. Yeah. C'est ça. And also, Tony, please, what I also like the people to know about Khmer Connection is that Khmer Connection is 100% Cameroonian. That's to say, anything that has to do with Nigerian artists, the Rihannas, for those who love the Rihannas and the Don Jazzy, please, this is not your place because. Yeah, we'll be talking about the Big Beezys, we'll be talking about the VBH, we'll be talking about Mr. Leo, and all of those guys. This is the place for them. So, and another thing about Khmer Connection is 100% bilingual. Yeah. That is to say, all what you get in French, you can also have it in English. So that's also one of C'était ça ma question, la question qui venait. Voilà, la famille, elle est représentée. Yes. Je crois que we have Jordan, we have Christian, they're all here, and they're all correspondents with Khmer Connection. Une grosse équipe. Pour ceux qui ont les téléphones à leur côté, tapez seulement
www.cameraconnexion.com. Vous aurez toutes les informations. Justement, la question que je voulais te poser, c'était sur la langue et c'est bilingue. Et tu viens bien de le rappeler. Et aujourd'hui, je pense que ça va en table ligne avec tout ce qui est mis sur pied à Black City. C'est pourquoi le partenariat est bien inscrit. Et en l'occurrence, très bientôt, je vous ai parlé des vidéogrammes que moi-même, en tant qu'artiste, je tourne dès lundi. Et c'est aussi quelque chose que beaucoup de fans aimeraient savoir. Voilà. So, Camera Connection will be there to follow the video. Super. And give some behind the scenes. Et parlant justement de celui qui va être en pole position sur ce projet, venant aussi de Black City, c'est un artiste, il s'appelle pas Sammy Sunshine. C'est vrai qu'il est, soutenu en tant que directeur artistique. Lui, Sammy Sunshine, il soutient bien le garçon qu'on appelle OXB. Il vient de Bamenda, il est tellement talentueux. Il a dit, appelez-moi OXB, I'm the next anglophone of Black City. Let's go OXB, c'est maintenant Camera Connection.